Ah, c'est The Last of Us, mais sans le us. Et sans le budget. Mais après, c'est joli. C'est à noter. Ça, c'est un problème aussi. Je pense qu'ils tout découle du visuel, d'une idée visuelle et de d'une idée artistique, mais ça prend le pas sur tout le reste et c'est vraiment problématique, je trouve, dans le jeu vidéo. Si de base ton gameplay est pas le centre de tout. Qu'est-ce que quoi? Petit pas, petit pas. On sent que le chien. Le chien, je sens que. Il est là pour l'émotion. Je le vois venir gros comme une maison. Qu'est-ce que c'est? La mort? Date! Mes yeux, mes yeux! Ah, c'est la guerre des mondes. Me dites pas que ça va me pulvériser. Ah, j'ai aucune tension, hein. Y a rien qui se passe. J'ai perdu ou c'était fait exprès? Ah, j'avais zéro tension. Zéro. Zéro. Ah, c'était pas prévu. Mais je peux pas courir plus vite. Ce monde est-il sérieux? Alors non, on me dit pas que en plus de ça, ils ont gardé de Another Worlds, que c'était un Die and Retry et que c'était bien. Peut-être que je trouve le chemin adéquat. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas croire ça. Et cours! Vas-y! Cassez-vous! Ah, peut-être qu'il faut juste pas que j'aille ici. Ça, c'est de la merde. Ok, trouvons une autre initiative. Je peux prendre un autre chemin. Je peux passer par là. Ah, là je suis mort. Ok, est-ce que c'est Sonic? Est-ce que je dois essayer d'emprunter le chemin le plus optimisé? Ah, c'est pas clair. Mon Dieu. Ah, la critique Impacuto, c'est vite réglé. C'est beau, mais... Ah là là. Alors vraiment, il faut que je me casse. Mais cours! Oh là là, mais c'est un enfer, je sais même pas. Juste, il court tout seul en fait. Cours! Donnez-moi une touche de sprint, pitié! Ah non, mais en fait, passer par là, c'est une mauvaise idée, c'est ça? Parce que là, ça me ralentit. Ah, je crois que j'ai compris. En fait, il faut que je prenne les chemins où je suis jamais ralenti. C'est ça l'idée? Là, je peux passer? Non? Non, là, je suis baisé. Bon, là c'est la mort. En fait, j'aurais dû lancer Another World.
tout de suite. C'était la même chose. Fallait le dire tout de suite. Ça me fait penser à Heart of Darkness que j'avais streamé. Poutou. Oh, le démon. Le jeu du démon. Très beau, mais le démon. L'enfer. Ok, donc là c'est optimisé. Par contre, il faut que je prenne un autre chemin là. Ou alors je peux là, c'est tout. Est-ce qu'il y a un autre chemin plutôt que de passer là, là? Je vais mourir. Ok. Je ne sais pas. Le jeu a décidé de nous annihiler le moindre fun. L'amusement, c'est pas ici. L'amusement, c'est juste achète Pokémon. Mais vas-y! Il y a tout qui te bloque en plus. Infernal. Est-ce que je suis le seul teubé qui galère? Ou vraiment c'est le jeu qui est claqué? Si ça se trouve, c'est juste moi. C'est une possibilité, ça. Si ça se trouve, il y a des bonnes notes partout. Ah putain, faut que j'aille voir. Il va falloir que j'aille voir. Si le jeu a eu des bonnes notes. Là, il y avait un passage. Là, il y a rien. J'ai pas le droit, là. En plus, c'est long. Si au moins c'était instantané. En plus c'est long. Ça se trouve il y a une touche que j'ai pas qui nous permet de sprinter juste. Comme Sonic, hein. Si c'est possible. C'est une possibilité. Peut-être qu'il faut que je suive mon chien aussi. Attendez, peut-être qu'il a des bonnes informations, peut-être qu'il est malin, lui. Attends, lui, il est malin. Il me dit d'aller là. Ah ! Oui, je viens de comprendre. Ah, il fallait suivre le chien. My God, j'ai compris le jeu. Ah ouais, mais c'est pas bien pensé du tout. D'accord. Donc, il faut que je prenne... Soyons lucides. Ok, j'avais pas du tout vu qu'il y avait une tente là. Ou un tipi, ou ce que vous voulez. D'accord. Bon, maintenant que je comprends ces mécaniques, j'ai compris le jeu. Ça y est, là on le finit. Bah, et tout à l'heure je passais par-dessus. Me dis pas que c'est maintenant, c'est fini. Est-ce que j'ai perdu mes amis, les petites boules? Voir quelque chose. Ah, j'avais oublié que je pouvais faire ça. J'avais oublié. C'est nul. Vraiment, comme mécanique, c'est nul. Ça m'a tué. Pas compris. Ah, c'est Limbo le jeu. Ah d'accord. Vraiment. C'est ça qu'on a prévu. Oh là là. Ah, me dites pas que c'est ça pendant 4 heures. Hein. J'ai vu que le jeu était pas long.
Mais si c'est ça pendant 4 heures, c'est déjà trop. Ok, je suis dans un avion. Oui. Comment je sors de cette mélasse? Oui, mon chien. Moi, je m'inquiète pour mon chien. Ça, on peut dire bravo aux artistes. Ça me fait penser à Trek to Yomi. Que j'avais testé, que vraiment j'ai pas du tout aimé, qui était très 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 beau, avec une très belle direction artistique, mais le gameplay était vraiment flingué. Ça gâchait complètement tout le jeu. Et encore un jeu direct to Game Pass. C'est vraiment ces types de jeux qui sont dans le Game Pass, donc c'est cool. Mais t'y jouerais pas forcément, voire pas du tout, si c'était pas dans le Game Pass en fait. Et je me pose la question du combien coûte ce jeu, quoi. Mais c'est Limbo. C'est un clin d'œil, ça peut pas être autrement. C'est fait exprès. Là, il se passe un truc. Ah non! Le décès, la mort! Fla! Limbo, c'était mieux. Ça me donne envie de relancer Limbo. Limbo, il y avait des énigmes des énigmes un peu tirées par les cheveux. Ah non, je tombe, mais attends, attends, que je ne fasse pas la même bêtise. Faisons pas les mêmes bêtises. Est-ce que là il me voit là? Est-ce que là je suis caché? Est-ce que la barque elle me cache? Ah oui, ah d'accord. Est-ce que j'ai le dent? Ah non. Justement, j'ai pas le temps du tout. C'est laborieux. Je sais pas si c'est moi ou si vraiment c'est juste laborieux. Et j'ai l'impression que souvent dans ce type de jeu, c'est fait exprès parce que le jeu dure 20 minutes sinon. Donc c'est un peu. C'est un peu les embrouilles. J'attends, je me pose là et j'attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, je peux pousser ça. Attends, il se passe un truc. Je peux le tirer? Je peux l'emmener? Non? Pourquoi je peux l'attraper si je peux pas l'emmener?
Mais dites-moi que je peux le tirer, que je peux l'emmener. Putain, il y avait ça dans Limbo, je me souviens. Tu devais tirer une barque. Et je peux rien faire. Il y a une embrouille. Il y a un truc. Ah, ok. Pourquoi je l'emmène à droite? Je comprends pas. Peut-être que je bombe dedans? C'est un mystère. Je comprends pas le jeu. Je comprends pas ce que le jeu veut. Putain, ça c'est vraiment le démon. Quand il faut être dans la tête des développeurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu que tu comprennes, qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses. Ça c'est le démon. Ça c'est vraiment le... Ah là je peux. Tout d'un coup. Tout d'un coup ça marche. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ces mécaniques flinguées? Oh, il y a un truc. J'ai vu. Et les crocodiles. J'ai vu. Oh, mes petits potes. J'ai retrouvé mes petits potes. Oh là, là j'ai vu. Hein. J'ai vu une manivelle. Direct, moi je touille. J'ai vu la manivelle. Aïe. Ok, à quoi ça sert? Où est-ce que je peux aller avec ça? Salut! Ils veulent de l'eau peut-être. Ah, je peux peut-être prendre du... De ça là, non? Je comprends pas. C'est quoi le but du jeu? Attends. Oh, c'est tellement pas clair ça. Oh là là, c'est tellement abscon. Ok, je crois que j'ai compris. Oh, ils sont sérieux. C'est ça? Ah ouais. Eh bah putain. Oh, j'en tombe de ma chaise. Attends, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent pas? Mais quoi? Oh, il y a une petite ambiance sonore démoniaque qui nous met la pression. C'est vraiment le jeu pour mongoliser des heures. Ok. En fait, je suis pas censé les alpaguer. Bah non, mais venez. Venez les gars. Ils viennent pas. Mais pourquoi vous venez pas? Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est l'idée? Si je le pose là.
Oh, il y a Dazuni. Ah putain. Bonjour Dazuni. Est-ce que tu as acheté Pokémon? Ça y est, je vois que tout le monde joue déjà à Pokémon, tout le monde stream le jeu. Sur ma gueule. Du coup, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que c'est le projet? Oh, ça va s'amuser sur Pokémon, tout le monde va y jouer. En plus, j'ai vu que le jeu avait étonnamment des bonnes critiques. J'étais j'étais assez surpris. Alors, j'ai déjà vu passer moult... Oh, moult vidéos où on voit que le jeu est claqué techniquement. Mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce que tu veux le jeu là? Ah, oh, c'est le démon! My god! Ah, c'est Limbo et Inside avait été fait par un handicapé. C'est pas gentil pour les handicapés, on s'excuse. Je retire ce que j'ai dit. Mais what the fuck? C'est quoi le projet? Oh, l'ambiance nous met pas bien en plus. Peut-être je l'emmène loin en fait. C'est fou ça. C'est fou comme avec les mêmes bases qu'un Limbo par exemple, tu peux... Tu te retrouves avec un jeu et c'est le démon. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, plus jamais. Non mais en vrai c'est une anomalie, Sonic. Mais c'est surtout que je pense que le platine de Sonic Frontier est hyper facile. Par exemple, il n'y a pas besoin de faire des rangs S sur tous les niveaux. T'as pas besoin. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'ailleurs dans le jeu. Mais le jeu est facile dans son ensemble. Le jeu est très... Tu sens que le jeu est pensé pour déjà un jeune public. Et il est très facile. Attends, faut peut-être que je l'amène très vite en fait. Et ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incompréhensible. Attends, je crois que j'ai compris. Ou pas du tout. C'est incompréhensible le jeu. Quand j'en ai vu des énigmes tirées par les cheveux. Des trucs mal pensés, mais alors là. Je crois que je suis tombé sur le site. Le pompon. C'est vraiment le jeu des présentations, ça. Le trailer, il est joli. Vraiment, c'est du coup, ça fait un joli trailer pendant les présentations, pendant les conves. Mais alors, quand tu joues au jeu, tu te dis « Waouh ! Ah oui, j'ai compris pourquoi il était dans le Game Pass. J'ai compris !» Parce que jamais tu mets 20 balles. On s'excuse, Dazu. Ah, ça, c'est la maladie du Game Pass, hein. Du coup, on joue à des jeux qu'on n'aurait jamais fait autrement. Mais dites pas que ce jeu, il vaut plus de 20 balles. Parce que j'ai envie de... Je casse tout. Et j'ai pas compris. J'ai eu l'impression de comprendre la mécanique. Mais en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Par pitié. Sortez-moi de là, par pitié. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ou alors il faut que je ressorte. Je comprends rien. Non, non, non.
passe par là. Ah non, là je vais mourir. Ouh là 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 là. Ça c'est une mauvaise idée. Ah, oh, c'est Another World. Qui avait envie de jouer à Another World en 2022? Il faut peut-être que je fasse vite. Ah, attends, faut peut-être que je fasse vite en fait. C'était ça. C'était ça l'idée. Il fallait que je le fasse vite, c'est ça? Non? Mais venez! Pourquoi vous venez pas avec moi? Les copains? Mais pourquoi? Oh là là! Mais restez avec moi! Mais qu'est-ce que... Oh! Mais ça donne envie de tout casser. J'ai envie de tout baiser. C'est un enfer. Me dites pas qu'ils se sont dit qu'ils étaient malins, que c'était une bonne idée de game design. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver. Oui, j'ai vu que le jeu était pas long, mais si à chaque énigme, c'est... C'est une envie de se pendre. On n'est pas sorti. Ah, il y a un bug. Ah non. Ça aurait été trop bien, le jeu aurait été trop amusant. Bah ouais, mais les gens ont pas compris. Bonjour Kalein. Les gens ont pas compris. Les gens ont cru que ça y est, je streamerai pas avant l'année prochaine. Les gens sont perdus. Ah, c'est terrible. Ils m'ont suivi là, ils viennent. Vous venez, pipote. Il veut quoi le jeu là? Je vais aller regarder un long play sur YouTube. Je vais aller regarder un tuto. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que t'as... Kalein, est-ce que t'as fini Sonic... Sonic du cul? Ah, est-ce que c'était bien? La tier list? Quelle est la tier list? Où en est-on? La tier list. Alors que je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait le platine. J'ai platiné, ça platine. À deux doigts de refaire tous les Sonic pour faire le platine sur tous les jeux. Ça, on est d'accord que c'est pas le pire. Ça, je suis d'accord, c'est pas le pire. Mais c'est pas impossible en vrai, Dazer, que le Sonic 2D, un jour je me décide. Oui, non, mais c'est ce que je disais à Dazer. Je pense que le platine est hyper facile à faire. Si moi-même j'ai réussi. Comment ça, on attend que ça? Putain. Ça va intéresser personne. Je comprends pas là. Il veut quoi le jeu? Ah! Ah, Dazuné, ses idées à la con. Bon, bah, je sais pas. Je vous le dis, j'ai cru comprendre la mécanique du jeu. Mais en vrai, je suis bloqué. Ce qui est bien le jeu, c'est mitigé. Ah! Bonjour Balouga! Comment allez-vous? Ça fait 30 minutes que je galère. Je sais pas en fait depuis combien de temps je suis là-dessus. Putain, c'est infernal! Je suis débile. Attendez, c'est moi qui suis débile ou à un moment donné c'est le jeu que c'est de la merde? Il y a un problème! Ah! Et tu sais quoi, Marc? Un jour on va le faire.
Genre, je vais relancer tous les jeux de David Cage. Et on va s'amuser. Ce sera l'occasion de très mal parler. En plus, je l'ai fait, mais il y a genre 10 ans, quoi. Je m'en souviens plus du jeu. Ah si, je me souviens du twist. Je me souviens du twist. C'était quelque chose. Alors en fait, la matière là, elle attire les bestioles. Ah oui, c'est vrai que c'est Star Wars. Ouais, mais je crois qu'ils ont dit que c'était pas avant 2025, 2026. Enfin, ça n'a aucun sens. Les mecs ont dit, oui, on travaille sur Star Wars, mais... D'ici là... Là, t'es fou. D'ici là, on a le temps d'être tous morts. Twitter a le temps de fermer. C'est fini, le Covid a le temps de nous avoir tous décimés. Merci David Cage. Qu'est-ce qu'il veut le jeu là? C'est quoi le projet? Donc si je remonte ça en vrai, normalement ça les attire. Je crois que le but c'est de les attirer jusqu'à moi, mais je sais pas comment faire. Terrible ça, Dazio. Terrible. Après je pense pas que Twitter va fermer. Je ne pense pas. En plus, je crois que j'ai une version de Heavy Rain en boîte et que je l'ai sous blister. Ce bon vieux Heavy Rain. Ah mais il fallait juste faire ça. Attends. C'est qu'en fait il fallait le faire vite. Oh, je crois qu'il fallait juste le faire vite. C'était ça? Ah ok, c'est qu'en fait le joystick je le tournais pas assez vite depuis le début. Alors ça c'est quand même des bons jeux. Ah je crois que c'est celle-là que j'ai. Je crois que c'est celui-là que j'ai Marc. Attends, est-ce que c'est bien d'y jouer au Move? Et attends, parce que j'ai pas de PlayStation Move, mais je crois que j'ai l'édition Move. Donc si, en vrai, si c'est rigolo, j'achète un Move, ça doit plus coûter très cher, exprès, pour faire cette version. Exprès. Ah sinon, j'ai pas dit... Ah putain, t'y as pas joué. J'ai pas dit, mais en fait, ce jeu, Somerville, il est intéressant mine de rien, parce que c'est... C'est un des créateurs de Playdead. Les créateurs de... Du coup, les développeurs de Limbo et de Inside à l'époque. Du coup, un des mecs de Playdead est parti de son côté. Je crois que c'était un des directeurs artistiques. Enfin, quelqu'un qui s'occupait du visuel. Du coup, là, ça se voit que tout est dans le visuel et rien dans le gameplay. Et il est parti fonder sa propre boîte. Et du coup, c'est son premier jeu avec cette nouvelle boîte. Et du coup, j'étais curieux parce que, perso, j'aime beaucoup Limbo. Et je trouve que Inside, c'est un putain de chef-d'œuvre. Comme quoi, on peut faire ce genre de type de jeu narratif, platformer, ça peut fonctionner. Mais là, force est de constater que le jeu est beau, mais waouh, que c'est compliqué niveau gameplay. Est-ce que j'ai envie de tout casser? Oui, bah, exact. Marc, ça ressemble, franchement, c'est Inside, quoi, le jeu. Mais Inside, c'est mieux. C'est surtout Another World. Tu sens que Another World a eu un impact à un moment donné et qu'il y a encore des jeux qui sortent qui sont Another World. Ouais, Inside, vraiment, moi, je l'ai trouvé fantastique, Inside. J'ai trouvé le jeu super. La fin, elle est super de Inside. Il se passe vraiment... Je trouve le jeu, il est très, très bien. Mais tu sais quoi, Kalain? J'aime beaucoup Limbo. Pareil. Mais Limbo, il a ses problèmes. Mais c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Non, non, Dazer, il n'y a pas d'araignée dans Inside. Il y a des monstres, mais t'auras pas d'arachnophobie avec Inside. Et c'est vrai que Limbo, même si t'es pas arachnophobe, c'est quand même très flippant. Le jeu, il était très oppressant. Ouais, on est d'accord. Limbo, moi j'aime beaucoup le jeu. J'aime ça aussi. J'aime le jeu pour ça aussi, c'est que les énigmes sont punitives. Et les énigmes, elles sont parfois hyper abracadabrantesques. C'est très bizarre. Mais je sais pas, j'ai aimé ça dans le jeu.
Mais le jeu est difficile. Hein. Limbo, vraiment, à la fin, il y a des énigmes. Oh. C'est une prise de tête. Mais moi, je l'ai refait plusieurs fois. Enfin, vraiment, Limbo, c'est à un moment donné. À l'époque, j'en avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur Dailymotion. Et j'y refais pas mal de fois de jeu. Vraiment, je prenais plaisir à le refaire, Limbo. Mais oui, il a ses problèmes. Il y a vraiment... le jeu a des problèmes. Mais là, il est joli ce jeu, tu vois. Somerville, c'est joli. Vraiment, c'est des artworks animés à n'en plus pouvoir, quoi. À n'en plus finir. Mais c'est dommage, il rentre dans la catégorie. Vraiment, il rentre dans la catégorie des jeux qui arrivent sur le Game Pass, Day One. Et en fait, c'est des jeux, si jamais ils avaient pas été dans le Game Pass, tu y aurais pas joué, quoi. C'est un peu terrible à dire. Et c'est vrai que le Game Pass, moi je trouve que c'est une offre fantastique. Il se passe un truc. L'émotion ? L'émotion, es-tu là ? Je sens que le jeu veut nous faire de l'émotion. Je sens que le jeu veut tirer quelque chose. De l'émotion, de quelque chose. Est-ce que je peux m'asseoir ? Ah, on peut s'asseoir. Bah très bien. 10 sur 10. Je peux m'asseoir, je peux contempler, je peux m'amuser. Ah, je suis pas très fan, Nazer. J'ai fait Braid à l'époque. J'avais trouvé ça sympa, mais le jeu m'avait pas... Le jeu m'avait pas retourné, quoi. Le jeu m'a pas tourneboulé. C'est vrai que je me souviens de... du Hooper. Qui avait joué, d'ailleurs... Je me souviens de la vidéo de Limbo, du Hooper. Où il a galéré... Et je me suis beaucoup, j'ai beaucoup jugé, je me suis moqué, mais moi-même sur Limbo, j'ai galéré la première fois. Le jeu, parfois, il est hyper abscon. Tu comprends rien de ce qu'on te demande. C'est bien ce jeu. Pourquoi je dis que c'est de la merde? C'est très bien ce jeu. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chien essaye de me dire quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Mais je peux pas lui faire un câlin! Oh, ça déjà c'est de la merde. Je peux pas faire un câlin au chien. Zéro pointé. Zéro. Ah, ça y en a des jeux sur le Game Pass. Hein. Des petits jeux. En plus, j'ai envie de tester quoi. Il faut que je le rentabilise à un moment donné. Abonnez-vous, ça aura rentabilisé mon Game Pass! En vrai, j'aimerais bien jouer à Pokémon. Je suis curieux de ce Pokémon. Ah. Mais du coup, t'es sur le Game Pass PC, Marc? Mais c'est hyper rentable, hein. Le Game Pass en vrai il est très très rentable. Moi le problème que j'ai, c'est que bah, Microsoft manque de grosses cartouches quoi, dans son escarcelle. Et que ok, il y a beaucoup de jeux qui arrivent Day One dans le Game Pass, mais c'est jamais des jeux extraordinaires quoi, c'est jamais, c'est ça c'est un peu dommage. On va se retrouver avec des 12 minutes, des jeux à la con. Je sais pas si quelqu'un a joué à 12 minutes. 12 minutes là. Infernal ce jeu. Ça c'est pareil, ça faisait un joli trailer pendant les... pendant les E3 et les conventions. Mais alors, foi, le jeu après c'était infernal. Terrible. Franchement, le jeu qui te demande d'appuyer sur la touche un peu au pif, en espérant qu'il y ait un truc qui soit interactif, ça c'est compliqué. Hein. Mais d'ailleurs, sur PC, c'est pareil. Sur PC, le catalogue n'est pas le même. Et vraiment, le Game Pass PC, c'est une dinguerie. Hein.
Là, je suis un peu deg parce que je suis encore sur Xbox One. Du coup, j'ai pas la Xbox, la nouvelle. Et sur le Game Pass, j'ai accès à Scorn, A Plague Tale, le nouveau. Qui, soit dit en passant, sont pas forcément très bien. Mais ça m'intriguait. Mais je peux pas y jouer sur Xbox One. Enfin, je peux, avec le cloud, mais pas avec ma collection. Du coup, je suis un peu dégoûté. Parce que franchement, j'étais très curieux de tester Scorn. Qui est dans le Game Pass. Mais je me suis fait avoir. Parce qu'en vrai, même encore avec une Xbox One aujourd'hui, si t'as la fibre, tu peux jouer à tout ce qui est dans le Game Pass, enfin, une grosse majorité avec le cloud. Donc les jeux qui sont exclus Xbox Series S, X, bah tu peux y jouer en fait sur Xbox One. Ce qui est assez... une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ah d'ailleurs, sur le Game Pass, ils ont mis des trucs, des fois je... Il y a Persona 5. Royal. Je suis presque tenté de relancer Persona 5. De redonner une chance à ce foutu jeu. À deux doigts, hein. À deux doigts de faire une bêtise. Ok, on fait n'importe quoi. Le jeu essaie de nous raconter quelque chose. Hein. C'est la fin du monde, il y a des tentes. Reste-t-il des gens? Reste-t-il d'autres humains? Est-ce que j'ai rencontré d'autres humains depuis le début? Je suis pas sûr. Je vous le dis, je suis pas sûr. Ah! Une petite bestiole. Il y a un vrai problème avec le gameplay. Je comprends pas. Déjà, moi, un truc qui me rend fou, tu peux pas sauter. Vraiment, dans ce type de jeu, de se retrouver cloué au sol, ça rend fou. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais moi, ça me trigger. Même si ça sert à rien, tu vois, de sauter. Mais j'ai l'impression qu'on m'a privé de quelque chose. On m'a privé de goûter, quoi. On m'a volé mon goûter. J'étais là, rendez-moi mes pépitos, par pitié. Ah, je vais pas aller faire pipi. Putain, on m'a volé mon goûter. C'est une honte. Inacceptable. J'ai envie de tester des choses, mais j'ai l'impression que le jeu, en fait, c'est juste tu vas à gauche. Tu speedrun. Je speedrun. Oula. D'accord, le jeu m'a dit pas là-bas. Pas ici, pas là-bas. Bah, le point de départ du scénar, c'est une attaque extraterrestre. C'est la guerre des mondes. Une attaque extraterrestre et du coup, t'es là, tu essaies de survivre. Oulalalala. Ah, j'ai pas eu le temps. Ça aussi, tu me mets pas des chargements. Aussi long si je suis susceptible de mourir en boucle. Ça c'est non direct. Ah non mais je suis revenu loin en plus. T'es sérieux? Ah c'est vraiment que je suis nul et que le jeu n'avait pas prévu que je meure, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire. Attends quoi? Ah si. Hop 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 hop.
Ça, c'est pareil, c'est encore un jeu qui sort là, parce que le jeu vient tout juste de sortir. Hein. C'est encore un jeu qui sort, mais en ce mois de novembre où on a God of War, on a Pokémon, on a machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Tous ces jeux, genre Sonic, il est déjà à 15€. Ils veulent le vendre, leur Sonic. Pitié, achetez Sonic. Qu'est-ce qu'il vous verrez avec ça? Oui, t'as pas tort, Balouga. Bah pourquoi tu stream pas maintenant, Dazer, si t'as le jeu? Bah du... Après, tout le monde est sur Pokémon, déjà. Parle bien de Wizbot, s'il te plaît. Il a ses sentiments, sa sensibilité. Sois sérieux, c'est pas très gentil. Sois un petit peu agréable avec lui. Quand même. On est pas chez Mémé. Qu'est-ce qu'il veut le jeu là? Je suis dans une incompréhension. Ah s'il veut ça. Oh là là. Il y a des énigmes dans mon jeu. Oh, ils ont mis des énigmes. Et pour Sonic, j'ai comme le sentiment que c'est un peu un échec commercial au vu de la chute du prix du jeu. J'ai comme l'impression que c'est un échec. Malgré qu'ils ont donné des sous... à des éminents streamers pour streamer le jeu. J'ai pas l'impression que ça a été... Alors que moi, ils m'auraient payé. J'ai dit que c'était bien le jeu. Putain, même pas sous la contrainte, j'ai dit que c'était bien. Quand même terrible. Ah. Dazer, il vient toujours pour se plaindre. C'est quand même fou, ça. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie, Dazer? T'es pas heureux? T'es pas content? Pokémon, c'est bien, tu vas t'amuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sens futur ronchon. Après, c'est peut-être pas voulu, hein, les saccades. Balouga, je... Après, c'est mon stream aussi. Aussi, Balouga, c'est mon stream qui rend peut-être pas honneur. Il faudra voir sur le Lyft. Qu'est-ce que quoi? Je peux pas passer là? Laissez-moi! Mais laissez-moi passer! Pourquoi est-ce que je comprends rien à ce jeu? Vraiment, ces jeux, ça me rend fou. Ces jeux où vraiment tu dois essayer de comprendre. Plus que de comprendre par toi-même, tu dois essayer de comprendre ce que les développeurs ont envie que tu fasses. Ça, pour moi, c'est un échec de base. À un moment donné, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi l'objectif là? C'est quoi le but du jeu? Oui, mais pareil, moi aussi Balouga, j'ai le même problème avec les point and click. J'ai envie, pourtant j'ai très envie, il y a des... Parce que vraiment, moi je suis passé à côté de tous les point and click classiques. Parfois je me dis, j'ai envie, je me dis putain, il faudrait que j'essaye au moins de faire les classiques pour me faire une idée, tu vois. Un Day of the Tentacle, un Monkey Island, ce genre de choses. Même si je sais que c'est pas pour moi, au moins que je teste quoi. Après c'est pas grave hein, si tu prends une soluce, tu vois. D'ailleurs le dernier Monkey Island, il est dans le Game Pass. Si ça vous intéresse, il est dispo. Ben moi c'est que j'ai essayé en fait. J'en ai fait très peu en vrai des... Mais par contre je sais pas du tout ce que je dois faire.
Faut faire quoi? Je dois faire quoi dans ce jeu là? Pitié, donnez-moi une touche de sprint, donnez-moi un truc pour sauter, donnez-moi une touche pour sauter. Ayez pitié de moi, par pitié. Mais... pourquoi je me retrouve bloqué là? Le jeu il est pas pour moi, mais ça aurait pu. Moi, Inside, j'ai kiffé. Attendez, on peut passer là? Enfin, j'ai l'impression que c'est pas prévu pour, mais je peux tester des trucs. Quoi? Ah, je passe. Ah, je sais pas si c'était prévu, mais. Ah, si, c'était prévu, ok. Et on va mettre 10. Je sais pas combien de temps on va mettre, mais je pense que c'était pas prévu de mettre autant de temps. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Pourquoi je peux pas activer ce machin là? Et God of War, moi je suis pareil, God of War, je suis curieux, mais il a l'air problématique. J'ai vu des streams, j'ai vu Hooper notamment streamer le jeu. Ah, le jeu il a l'air problématique. En tout cas, c'est sûr que c'est pas cette proposition, moi, que j'ai envie de... à laquelle j'ai envie de jouer. Vraiment, en plus, tous ces triple A de chez Sony, qui se ressemblent, vraiment, ils se ressemblent tous. C'est tous les mêmes. Ça devient tous les mêmes. Il y a une uniformisation. Un Last of Us, un Uncharted, un Horizon, un God of War, c'est tous les mêmes putains de jeux. Ça me rend ouf. C'est leur canevas triple A pour grand public. Qui a envie de jouer à ça? Ça me rend ouf. Qu'est-ce qu'il veut le jeu là? J'ai l'impression que je suis bloqué. Je vais être bloqué à chaque écran. On en est là. Non mais Hooper, je trouve il est représentatif d'un joueur lambda. Hein. Moi j'aime beaucoup Hooper. Un joueur un peu nul, un peu... un peu à la ramasse. Mais c'est même pas une question de ça en plus, Baloga. Je pense vraiment les jeux blockbusters, c'est même plus des jeux en vrai. C'est des sortes de films, séries narratives claquées au sol. Mais je peux plus repartir, ça y est. C'est l'incompréhension du jeu. Pourquoi tu me laisses activer ça si je peux rien faire avec? On est dans une incompréhension. Ah, je peux monter peut-être. Ah, c'est ça que tu veux? Mais c'est tellement pas limpide. Pourquoi c'est pas limpide? Ça devrait être limpide. Je suis sûr que le jeu, si tu sais comment avancer, le jeu se finit en 20 minutes. Si tu connais les énigmes. J'en ai aucune idée, Balouga. Est-ce que vraiment je vais m'abaisser? Ah. Très bien. Bon, déjà, on est tombé. Bon, attendez, essayons d'être malin. Ça, je peux le prendre, ça sert à rien. Est-ce que je peux aller là-bas avec? Non. Ça ne sert à rien. Donc ça déjà.
Là, je suis allé là. J'ai fait un truc là. Là, j'ai fait quelque chose. Ah! Ah oui, j'avais posé la lumière. Attendez! C'est peut-être juste qu'il faut que j'aille avec. Là-bas! Ah, est-ce que je suis lucide? Est-ce que finalement j'ai réfléchi dans ce jeu? Ah, ça y est, je crois que. Ah non, mais en fait, j'étais passé tout à l'heure de l'autre côté, mais j'étais pas censé passer, je pense. Il fallait faire ça pour passer. Oh, le génie! Ah, mais en fait, j'ai pété le jeu! En fait, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. C'est ça que tu me dis. Ah, mais attends. Attends, maintenant que je suis là. Me dis pas que je peux l'activer. Ah non. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Pitié. Non, je peux toujours pas l'activer. Donc le jeu. Par contre, j'ai toujours pas compris. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que j'ai envie de tout casser? Oui! On fait quoi? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on prend des loupiottes? Pourquoi j'en suis arrivé là à prendre des loupiottes? C'est nul! Comme mécanique de gameplay, c'est nul! C'est à chier! Même pas, il y a de la plateforme, j'ai pas de touche de saut! On peut même pas dire que c'est un platformer, c'est juste nul. Ah, j'ai l'impression d'être un demeuré. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Pourquoi j'ai une manette? Ok. Alors pourquoi j'arrivais pas à l'activer depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, je mettais mon joystick vers la gauche. Parce que vu comment c'était foutu, je voulais tirer vers l'arrière. En fait, il fallait pousser vers le bas. Et depuis tout à l'heure, j'activais pas le truc. Oh my god. Alors soit c'est juste moi, soit il y a un problème de... C'est pas normal que j'ai pas bien compris. Oh là là. Nom d'une pipe. Oh, le Game Pass, c'est quelque chose. Je suis sûr qu'il y a des jeux bien dans le Game Pass. C'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est promis. En plus, ces énigmes, elles sont juste pensées pour te ralentir dans la progression, c'est tout. Puisque le jeu dure 20 minutes sinon. C'est la seule raison d'être de ces putains d'énigmes. Ah mais le jeu rame. Le jeu en plus a le culot de temps en temps de ramer. Très bien. Alors ça oui, c'est joli. Pas artistique. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non. T'es sérieux? J'ai l'impression de jouer à Last of Us. Et du coup... Oui. C'est quoi l'objectif du jeu là? Attendez, j'ai pas de voiture, hein. Je sais pas comment ça marche. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Attends. Est-ce que quelqu'un sait comment ça marche sur une vraie voiture?
qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois allumer la voiture, je dois faire quoi? Ah non, attends. Mon pouvoir. Je dois utiliser Powers. Ah là! C'est bon, je suis un génie. Ah, si j'arrive à finir ce jeu, c'est un miracle, hein. Je vous le dis. Si j'ai pas rage quitté avant la fin. Peut-être on jouera à Pokémon. Abonnez-vous. Pokémon bientôt.